est-ce que nous pensons dans le cabinet là yo conseil là capable mettre vraiment police là en action pour capable bailler un résultat à court terme surtout dans le cabinet là yo? Ah, il a pas obligé. Parce que si on pas fait ça, il y a besoin de nous en face, il y a besoin de madame du Sénat, il y a besoin de RNDDH, il y a besoin de tout haïtien capitaine que yo répond à défi capitaine. C'est pour ça que prend responsabilité ça. Et constitution bah, dans l'article 236 moins quoi deux corps armés responsabilité pour protéger vie et bien moun. Si on va quitter toujours fait mal, on songe le dans l'envahi Cafoufeuille, population descend devant quartier général et puis la demande aide. Et m'a gagné au bon militaire derrière barrière qui pas dit rien. Moi je pense que l'on un uniforme militaire sur il y a le devoir militaire, il y a l'honneur aussi. Et je pense que l'on ou fait serment de servir sous pas qu'à servir faut démissionner. Et là peut-être que conjoncture année qui va venir à bail l'armée possibilité pour nettoyer la vie tête et tout parce qu'on ne pas jamais oublier que son l'autre l'armée besoin et pas même l'armée crasée brisée qui tape tout pisi. Peuple là très souvent et qui t'écrase la démocratie. Donc ça fait une clé sur ça. C'est pour ça qu'on réflexion qui vous fait, c'est pour ça qu'on parle d'un plan sécurité. Mm-hmm. Et moi-même, moi très sensible à ce que l'on a mais qui symbolise l'honneur, la dignité, la fierté nationale. Comme était notre première armée, dirigée par le premier général en chef et Dessalines. Moi-même, grand-père, et commandant arrondissement et du sud du général Philippe Argan, c'est un militaire, donc nous venons en famille, côté que nous avons une ouais, question militaire. Militaire, c'est pas mettre un bâton pour un fusil pour battre les gens qu'on est censé protéger. Donc nous-mêmes, nous pensons que la question ça va nécessiter une réflexion sérieuse. Nous avons des semaines ça tout que gain matériel qui rentre. Vous parlez de équipement non létal. Nous avons dit ça tout à l'heure, madame Dussin. Ça veut dire que c'est petit bâton, petit gilet par balle, des bagages comme ça. Bouclier. Bon. Faut nous clair sur qui ça police a besoin comme moyen pour le capable. Défendre la population, nous retournons encore dans la question du plan de sécurité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, Mme Dussina? En nous songeant, j'ai dit que Bob Rey, ambassadeur du Canada aux Nations Unies, a fait une visite ici et il a rencontré avec l'équipe Ariel Henry. Et qu'est-ce qui dit devant la presse? C'est que pas de bon plan de sécurité. Plan. Mm-hmm. Donc, pas de bon plan de sécurité, nous ne savons pas combien de troupes nous besoin, qui moyens nous besoin, comment vous mettez. Donc, on dit que le général Vini, il fait salver en fonction de qui est-ce qu'ils ont mis, qui est-ce qu'ils ont mis, comment le web a eu. Ça a fallu suspendre. Question de sécurité, il faut que nous finalement prenions au sérieux parce que c'est la première demande des Haïtiens et c'est sous lui-même que nous allons juger le conseil là très tôt. Est-ce que l'équipement ça y est que États-Unis promettent à Haïti, est-ce que c'est pas une façon pour. Peut-être montrer on va pas dire des intérêts mais dans situation il y a là est-ce que vous pensez c'est ça qui approprié qui adapté pour avoir une réponse proportionnelle à bandi yo en réalité c'est un désintérêt mot utilisé c'est exactement ça lié et peut-être leçon pour nous tirer de ça c'est que nous pas qu'à attendre que c'est l'autre pays qui pour nous résoudre problème sécurité nous pour nous nous avons gros problème de sécurité faut que l'état ramasse scamp figili faut le chercher moyen pour le bail la police la moyen équipement pour lui-même pour capable faire face carré à ça capitaine là. Maintenant, c'est pas étonnant tout non que les États-Unis ou même de manière générale la communauté internationale là gagne attitude ça avec nous. C'est parce que petit critiquat nous virer tête à regarder. Nous pas essayer chercher garder qui ça capable faire nous-même avec moyen pas nous. Parce que gagne une volonté ou t'a manifester ou même avec le peu de moyens qu'on gagne que monde n'a pas comprendre que petit bouclier si tout matériel non létal que le poil ba nous yo nous dépasser déjà mais comme vous pas faire un effort tout ça le ba ou dit merci beaucoup parce que pour question insécurité justement faut nous songer nous toujours dit dans RNDDH nous rappeler Haïti pas un pays qui est industrialisé Haïti pas fait armes nous pas fait munitions puis fausses armes et munitions qui en circulation illégalement sous territoire national là yo sorti États-Unis. Ça seulement si États-Unis te voulait aider sur question sécurité, alte aider contrôler les circulations zamyo, t'as longtemps meilleur que vin fin cadeau de trois matériels non létal ou bien équipement non létal. Si bien comprendre sécurité, c'est pas seulement vin tirer coup de zam ak bandi yo, mais si gen y a une politique qui met en place pour empêcher balle ak zam rentrer, je pense que ça diminuer et certainement. Certainement, l'a diminué parce que justement bandi yo qui pas jamais suspend gen zam ak munitions nan men yo, et bien yo tap à coup de munitions tout déjà tout bonnement, tout bêtement. Et deuxièmement, tout sous question insécurité à tout, faut que nous d'accord li, c'est pas seulement la police, c'est pourquoi c'est intéressant de parler de plan de sécurité. C'est pas seulement question la police. Li gon pati la police vrai.
li gon parti citoyenne engagée, mais le gon parti qui très important c'est la justice. Et journée jodi a nous non situation concernant pays a parce que la justice perdit escamp figil tout. De 2018 jusqu'à 2024, 30 massacres et attaques armées pour pipiti enregistrées dans pays a. Pas une seule fois, même par contumace, la justice pas jugé et condamné youn nan bandi yo. Yo notoire, yo gen chaîne YouTube, yo gen yo sur tout réseaux sociaux. Yo tout moun kon kote yo ye. Mais est-ce que la police traque yo? Est-ce que la justice li même jugé et condamné ou même derrière do yo? Non, jamais. Donc c'est clair que si nous pas gen un plan effectivement de sécurité qui tenu compte de tout comportement chaîne pénale là, à savoir police, justice, prison, oui, conseil présidentiel de transition a mal pour le sortir là. Et dernier point m'tab dit c'est sous question la AMEA. Nous comprenons que la AMEA a participé. Non, et le peu que elle était capable. Et pour essayer, nous t'a dit, pas quitter bagala ta pi grave. Peut-être que, et par rapport à ça, le fait, peut-être que la situation ta ka pi grave s'il pas te fait. Cependant, nous quand même demandé pour nous très prudents. Nous avons l'armée là, je ne dis pas, nous pas connaît qui sacré Gilles. D'ailleurs, ça a déjà arrivé dans le RNDDH pour nous travailler sur des cas côté des officiers de l'armée impliqués dans des violations de droits humains. En l'occurrence, un officier, et nous avons un cas dans tête là, un officier de l'armée récemment qui est impliqué dans un cas de vol de véhicule. Nous pas connaît qui ça pour faire dossier victime n'a porté plainte devant tribunal de droit commun normalement commercial c'est pas cadré devant tribunal de droit commun pour ta potel mais nous même là que nous effectivement rendons compte que c'est pas là pour ta de potel elle vient dit nous que c'est ça le fait et bien nous même nous adresser nous à la mea mais yo pas jamais dit nous rien. Donc ça veut dire nous même dans société à nous pas connaît si un officier l'armée commet un acte qui côté pour aller. Donc journée jodi a pas aucune structure vraiment. Nous seulement gagne des séries de monde qui gagne zam nan mais. Donc faut que nous prudent tout et nous penser que conseil présidentiel de transition doit prudent tout par rapport à structure ça. C'est vrai que j'aimerais dire encore nous reconnaître que yo gagne des actions que yo fait qui aider. Yo gagne mérite yo, mais nous même comme citoyens eh bien, il faut que nous fassions attention quand même. Madame Justine, vous parlez tout à l'heure de, ma une question là, mais avec vous, de question justice là qui pas efficace, qui cause que nous vivons côté Niala. Mais nous rappelons, nous, Mini Juste, c'était pratiquement une mission Nations Unies pour appuyer justice. Est-ce que vous avez une sorte de paradoxe là? Ça t'a supposé joindre là, et c'est eux-mêmes qui toujours fait des propositions. Est-ce que nous pas estimé tout à partir de mouvement Mini Juste là, vraiment dégringolade jusqu'à juin, je veux dire? Mais c'est, je pense que c'était sans intervention, madame du Sénat, le jour que c'est nous pour prendre tête nous en main. Et avant d'arriver sur le ministre juste, un exemple qui passe semaine ça, nous voyons que nous avons déporté tout pour nous. Donc il y a moins d'insécurité aux États-Unis parce que nous même mieux protégé la caillou et nous ne pouvons pas faire autant. Mais il y a plus d'insécurité la caillou parce que nous avons venir qui est sur côté sorti, qui qualité délinquant que donc c'est société qui a le pays pour ça. Morale de l'histoire. Et conclusion, moi d'accord avec madame du Sénat. C'est nous-mêmes haïtiens pour prendre tête nous mais étrangers capables d'aider nous, d'accompagner nous. Et nous avons des relations diplomatiques. Nous pouvons d'ailleurs demander que le prochain ministre des Affaires étrangères là, et le prochain chef gouvernement, ils ont une action diplomatique pour le mener. Ils ont une action diplomatique notamment sur la question des armes. Au niveau des pays du CARICOM, ils ont des résolutions pour travailler avec les Américains, pour bloquer les armes qui sont sorties dans le port Miami. Il faut que Haïti soit très, très, très proactif dans le dossier. Ça. Et c'est comme ça que nous allons juger. Qu'est-ce que nous allons faire pour faire moins d'armes entrer ici, naturellement? Ce n'est pas seulement Miami pour nous bloquer, mais il faut que nous gagnions une douane qui est code job, faut nous une frontière nous. Faut nous-mêmes nous faire travail nous tout, et pour nous pas toujours dire que ça qui a privé nous, c'est faute blanc. Donc ça est extrêmement important. Et pour revenir à l'armée, par exemple, tu as parlé de implication de l'armée, comme vous parlez de familles qui ont une tradition, on dit ancien, on dit grands-parents qui étaient dans l'armée. Est-ce que vous croyez que l'implication de l'armée est nécessaire aujourd'hui dans la question de rétablissement de sécurité dans le pays? Oui, mais prudence. Pour qui ça? Bon, un exemple concret que me vive madame du Sénat qui pourrait confirmer ce que je dis. Moi-même, tu es député dans la 50e législature. Le ancien ministre de la Défense, Hervé Denis, il a travaillé sous l'armée. Et tu as une séance d'interpellation. Il pas d'interpellation, c'est une séance de convocation. Pour qui ça? Parce que tu as un ensemble de députés qui ont besoin d'imposer une série de monde dans l'armée. Et en plus, là, tu as réussi à imposer une série de monde qui ne pas répondre aux critères. D'où l'importance de question vetting. Donc, on a parlé de vetting pour la police, mais il faut dire pour FADH, pour les Forces Armées d'Haïti, il faut nous repartir de bon pied.
Donc, mais bon exemple concret qui montre que à la base, à la genèse, il y a un problème. Vous ne nous pas dit que pas de gain des recrutements qui est bien fait après, nous pas dit que pas gain des éléments là mais à cap frappé bien, qui pas coupable de violation des droits humains, mais qui pourra protéger la population. Mais c'est le travail que nous pourrons faire pour nous identifier qui est ce qui pas bon yo, pour exact. Nous écarter. Exactement. Donc, moi, je dis prudence, même penser que l'armée qui a la genèse de la création d'Haïti sont institutions que nous gardons. Maintenant, en termes de politique diplomatique, de conseil présidentiel, là tout, faut nous garder que pendant que nous avons bloqué les armes qui viennent illégalement, pendant que nous avons voué un petit bout de gilet par balle pour nous, c'est parce que tout bon problème de législation, parce que depuis le début des années 90, le problème qui était un embargo sur les armes dans le pays d'Haïti, donc la police n'a jamais réussi à importer des États-Unis, j'en ai voulu là, les armes que nous avons besoin pour protéger les populations. Est-ce que les États-Unis sont capables de contacter seulement pour question des armes? Alors, non, par contre, bon proximité, et moi-même, je suis un grand producteur d'armes, donc c'est plus facile. Donc, on a dit, bah, aujourd'hui, il y a maintenant une législation, une pression pour le faire sous le Congrès américain pour retirer les restrictions qui pourraient permettre le gouvernement légitime pour nous capables de prendre un matériel pour défendre la population. Exactement. Ceci dit, on nous dit tout que la question de la sécurité ne s'arrête pas simplement à courir des bandits, à arrêter eux. C'est très important, le binôme police-justice, la police pas cap travail et puis la justice a gardé ça l'affaire, la police a accordé, la justice a décollé. Donc la question de la chaîne pénale est importante. Donc tout ça, on peut entrer tout dans un chantier de conseil présidentiel. Donc ça est extrêmement important, moi je voulais et quand même souligner ça à l'attention de l'auditeur, l'importance pour que binôme police-justice dans le marché, parce que sécurité, c'est un tout, son composante que lui. Qui place force internationale là dans le cadre de l'établissement sécurité là, pendant qu'on s'est allé même installé là? Est-ce que nous pensons venir rapidement pour vraiment avoir un gros coup de main ou bientôt nous peut-être pas fin trop quoi que c'est lui-même qui pourra vraiment ramener sécurité dans la population? Bon, nous connaissons et permettez-moi quand même retourner sur une question que tu as posée tout à l'heure qui t'est intéressée. Mais ce n'est pas seulement MINUJUST qui t'a pour renforcer la justice. MINUSTA, MINUJUST et BINU, tous les trois ont gagné pour renforcer la police et la justice. Mais rapidement, nous avons dit tout que les gens regardent comment la situation la police avec la justice avant MINUSTA est venu, il était plus bon que après que vous passez. Pour la justice là par exemple, regardez quantité de monde que vous avez jugé par année dans l'assise, il était longtemps exponentiellement pire que quantité de monde par exemple qu'on y a là qui a jugé. Donc en pile et point de comparaison qu'on capable prendre pour montrer que situation vient plus mal avec et Nations Unies qui a renforcé la police avec la justice. Mais pour question et vini et une force multinationale. Écoutez, nous-mêmes dans RNDDH nous était toujours clair dès le début. Si autorité de facto pas gagné à approche Richita croisé bras ou ça attendre que c'est blanc qui pour venir résoudre problème insécurité a, nous pensons que gagne pile bagarre qui t'a fait. D'ailleurs Kenya et dans un premier temps moun était pensé pour le voyer c'est des policiers que yo et tout. OK? Et de manière générale le tronc commun tout au moins de formation semblait il n'a parlé de policiers, que c'est policier Kenya, que c'est policier Haïti, que c'est policier États-Unis, même si il doit gagner fait plus temps en formation ou bien gagner qui te gagne plus et nous t'a dit y ont plus bon environnement pour être capable d'apprendre. Ceci étant dit, depuis 2022 que autorité ont fait demande là, si y ont gagné y ont l'autre politique, peut-être que le ça y t'a par exemple former des cohortes, des task force pour question insécurité à même. Nous rete quoi que oui, demande l'en fait, oui, il y a une résolution au niveau du Conseil de sécurité qui vote pour que force la rentrer, li ka rentrer, le ka pas rentrer, mais journée jodi a qui sa conseil présidentiel là doit faire, c'est garder tous deux possibilités ça. Parete chita aptan. Parce que de toute façon, nous pas qu'on connaît s'il est venu, s'il y a bien résultat vrai. Mais tout au moins si eux même, faut que parete chita aptan. Et que c'est le, par exemple, force à réussir déployer, puis on dit, OK, nous pouvons commencer le travail sur la question de l'insécurité. C'est depuis qu'on y a là, puis on commence. Well. Même gens, tout, les forces là viennent tout, pour que ce n'est pas eux-mêmes qui viennent imposer, bah nous, ça, vous voulez faire. Mais il faut qu'elles suivent un plan. Il faut que déjà, donc, travaillent sur le plan, yo, pour que si force là viennent, que force là joignent des interlocuteurs qui sont capables de dire clairement, mais qui ça me veut faire. Parce que si nous étions dans la même attitude, attentif ça, force la vini effectivement, la vini fait sali del deal,
l'a touché gros l'argent, il pourrait venir riche sous tête nous comme d'habitude et puis après ça tout le monde a levé après la caillou. Risque de joindre même résultat question ministre ministre juste exactement. Mm-hmm. Exactement. Alors sous question ministre ministre alors différentes missions aux Nations Unies. Ouais. Pour me renforcer pour madame du Sénat, c'est que quand même 15 ans après et 10 milliards de dollars après, mm-hmm. faut nous faire une analyse critique de différentes missions ça parce que je dis à nous à genoux. Émission et tout comme ça, côté de dépenser, c'est dans la justice, c'est dans l'état des droits yeah. et c'est dans la consolidation de la police. Mm-hmm. Donc je dis à Haïti à genoux et Haïti otage, et puis pour problème, c'est sécurité parce que nos prisonniers de gang cap crasé, cap brisé, cap pillé, qui est bien payé en otage. Donc, et je pense que même tout, ils ont un examen de conscience pour faire, et je ne vais pas mettre en doute et velléité ou bien intention pour aider nous, pour encadrer nous. Moi-même, personnellement, je en tant que là nous étions en opposition, les signataires de Kingston qui étaient en opposition au gouvernement, tu gon souci à l'époque madame Lucina, qui ça l'était. C'est que nous étions toujours peur que Ariel Henry lui-même l'attende que bon mission étrangère pour venir consolider pouvoir et en quelque part peut-être assurer pérennité pouvoir. Donc jodia c'est pas le cas. Jodia nous gagnons en formule de transition qui gagne en conseil présidentiel qui est assez inclusif politiquement, qui a un problème ni, qui a avantage et inconvénient, mais nous pensons tout que c'est le moment de bien négocier l'accompagnement et l'encadrement des amis de la communauté internationale pour que la police soit mise en mesure et en moyen de pouvoir faire face aux gangs armés. Maintenant, bon, je vais vous dire, moi-même, je suis très à l'aise pour moi discuter avec partenaires de la communauté internationale de ça, parce qu'il fut un temps et Pétion t'allait de Bolivar libérer l'Amérique latine. Donc je dis à besoin pour que ça ou pas venir de moi, m'pas connait voler drone, m'pas connait voler hélicoptère, conseil de bagain bagain. M'pas peut parler bagain ça yo. Pas on dit ça à tout gagner. Nous excusez-moi, nous libérer et nous aider les États-Unis venir indépendance madame du Sénat. En nous parler. Tout partout. Tout côté, Savannah, Georgie, nous tout côté, nous avons été le flambeau de la liberté universelle dès 1804. Ouais. Et nous avons même, depuis sous Boukman, depuis sous Bois-Caïman, nous montrer ça veut dire un peuple qui lui-même voulait prendre destin en main. Mm-hmm. Donc, moi-même, je pense que c'est extrêmement important pour que l'autorité concentre pour travailler avec les partenaires internationaux. Le fort de travailler avec eux, les nos besoins, sans ne pas oublier que d'abord et avant tout, il n'y a pas qu'à attendre que c'est poté pour nous. Ouais. C'est nous pour faire première fois. Parce que le monde ne peut pas venir de nous, c'est nous pour faire affaire nous. Claire. Haïti est pour nous lier et c'est nous pour faire vivre. Mm-hmm. Pour ne pas redéfinir les choses, il faut que nous avons une diplomatie qui est différente de ce que nous avons dit. Il faut que nous bien défendre l'intérêt de nous. Nous avons gagné une semaine, le 23e sommet Alba, gagné Nicolas Maduro, qui est le président vénézuélien, qui même des pays pour être capable de répondre à la dette historique qu'il y a envers Haïti. Mais je veux dire là, c'est comment nous voyons l'autre diplomatie en Haïti. Surtout nous connaissons, la diplomatie qui est là, elle est souvent servie comme un cimetière. Des gens qui sont en politique, qui n'est pas vraiment utile en rien encore, et bien c'est là que nous postons en diplomatie, ils sont de l'autre côté. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas vraiment gagner des gens qui sont capables de prendre place pour défendre vraiment l'intérêt nous? Non seulement il y a des gens qui sont capables, qui gagne figue qui ka dit oui ka dit non mais en plus de ça tout faut que nous aller vers des monde qui formé tout dans diplomatie même ça veut dire en réalité et c'est peut-être dommage tout parce que non seulement diplomatie dans tourner au cimetière mais et l'elle pas cimetière c'est côté nous mettez nous régler affaires en mitaille nous bamboche ouais affaires en mitaille nous affaires bamboche nous et ça va venir faire qui ça ça va venir faire que rapidement toujours tendez il implique nos bons scandales souvent scandales de corruption là il pas scandale harcèlement sexuel ou même et de viol donc oui je ne jodi a faut que nous gagnions une diplomatie qui est capable parce que et bon nous t'as dit que problème yo défi yo énorme et défi yo qui est énorme non c'est pas seulement Haïti parce que je ne jodi a relation nous
avec tout l'autre pays aussi tout si là qui plus près nous yo faut que nous capable définir très bien et faut que monde qui a défini yo c'est pas dans un mi taille était jeune poste là c'est pas parce que yo était directeur général la police que pas directeur général la police encore voyo là c'est pas parce que yo était dans politique là et que besoin côté pour fond l'argent pour couler ça douce c'est que y aller là mais vraiment des monde qui capable garder qui capable discuter les grandes questions et qui capable comprendre que c'est intérêt Haïti comme pays que y'a le défendre. Depuis l'état Dieu. Et puis, diplomatie, il faut le faire nous fier. Donc, il faut nous avoir des compétences. Parce que le bon fonction de représentativité. Mm-hmm. Lorsque son ambassadeur en consul, vous représentez Marvin Spierre, vous représentez Rosie du Sénat, vous représentez Jerry Tadjou, vous représentez 12 millions d'Haïtiens. Mm-hmm. Et pourquoi pas 4 millions d'Haïtiens qui vivent l'autre bord. Mm-hmm. Ou parlez d'une diplomatie qui a mal marché. Est-ce que nous avons une diplomatie vraiment? Mm-hmm. Et me poser question. D'ailleurs, on a songé. Que le ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration alors que le terminal pétrolier était sous contrôle gang et que le pays était à l'asphyxie. Il était dit nous devant le monde entier, dans la réunion Conseil de sécurité, tout est sous contrôle. C'est un mensonge d'État qui a vili la diplomatie haïtienne et qui est un exemple et le symbole même et qui cristallise la nécessité pour nous changer la diplomatie. Qu'il y a deux temps que moi, M. Pierre. Moi, en premier temps, qui sont diplomatie, côté que pendant les 12 prochains mois, pour avoir une discussion pour le fait, pour courir la police nationale, pour courir la MEA, pour nous joindre l'argent. Parce que le pays est à genoux. Parce que le secteur privé a crasé, toute entreprise a crasé, tout le monde est en faillite. Pas de l'argent, pas de moyens. Or, nous ne pouvons pas construire le pays. Tout autant que pas une opportunité économique. C'est-à-dire qu'on paye écouter jeunes garçons, jeunes femmes lever les matins, il n'y a pas grand-chose pour faire. Il y a pas de l'eau pour faire beurre. Eh bien, on ne peut pas construire un pays comme ça. Il faut des opportunités économiques. Donc, on a une diplomatie qui pourra essayer de travailler et batailler pour que nous ayons des moyens pour reconstruire le pays. On parle, par exemple, des infrastructures. Le pays a son pays pour reconstruire. En bas la ville, là, madame du Sénat. Je vous trouve jeune pour ça. Parce que l'homme garde, moi-même pas qu'à garder. Moi-même pas qu'à garder, vous dites mes amis. Moi-même pas qu'à garder parce que je connais ça, ça veut dire. Parce que moi-même comme ancien footballeur, moi connais ça, ça veut dire sortir de l'enterrement, monter ou de où. En passant à côté stade Silvio Cato, glisser ma gloire en bois. Et monter qu'on fait à 10h, 11h du soir. Moi-même t'es l'école Saint-Louis du Centre. Jodiana Louis du Centre, d'ailleurs, dit mieux attaquer le Nouvelis. Et attaquer la Bibliothèque Nationale. Son bagage extraordinaire. Moi-même, c'est à pied, dès qu'on sort de l'école, moi, et puis je traverse mal dans le bureau, papa, qui a travaillé dans le pavé. Je passe à ma maman dans la librairie Stella pour nous acheter un livre parce que je bien travaillé à l'école. Mais tout côté, ça, il faut nous reconstruire. On a besoin d'argent, nous n'avons pas gagné assez de réserves. Donc, ça, extrêmement important. Je pense que mon politique économique est mariée avec une stratégie diplomatique parce que c'est d'ailleurs qu'on a cherché un pile. Dans la réserve, dans les ressources que nous avons besoin pour nous capables de construire. Naturellement, il y a l'autre pour nous mettre la caille. Madame du Sénat, dollar 50 ans. Nous avons 28 à 29 millions de dollars chaque mois, chaque année. Donc, nous avons un leverage pour faire des grands prêts de 400, de 500 millions de dollars parce qu'on a des moyens pour payer ce service de dette là. Mais faut-il bien qu'on y ait un gouvernement responsable qui a bien investi et que le problème pas mal passé pour que chaque fois qu'on scandale, Mme du Sénat obligé de monter dans monter à le dénoncer. Mais oui, justement, vous venez sous question et FNEA. Mais en fait, c'était dans l'idée ça que tu as dit que c'est tout organisme public autonome ça qui a généré l'argent, qui gère l'argent ça pour l'utiliser. Est-ce qu'il a pu utiliser pour la multitude? Pour pays à développer ou du moins est-ce que il a continué avec même habitude de corruption correct moi ça c'est arrivé dans boute émission hein? Avant nous aller un dernier mot nous chaque comme de commencer par madame du Sénat d'abord on a un dernier mot de député Dieu bon je pense que son belle émission c'était vraiment un honneur pour moi pour me partager et plateau avec une grande dame et que me féliciter pour implication engagement et sous trac ça nous saluer NDDH. Moi, je vous remercie de l'invitation, je me sens fier parce que c'est la première émission analyse. Donc, je pense que, en quelque part, je m'a toujours changé que je suis passé dans l'émission. Vous me baptisez. Vous me baptisez l'émission, ok. Donc, merci pour l'invitation et puis je dis à tous les téléspectateurs qui t'ont gardé nous. Et merci pour écouter. Kembe la Palagé, Haïti plié, mais autant que vous osez nous plier, ne pas casser, et on joue la joue.
Madame du Sénat. Et bon, écoutez, c'était un plaisir tout pour te partager panel là, partager toute discussion ça yo hein avec député Tandieu. C'est un plaisir tout pour nous, c'est les premiers, les pionniers carrément hein, de l'émission. Mm-hmm. Nous espérons que l'émission a fait et en tout cas la continuer la vie pendant longtemps, une longue carrière. Mm-hmm. Et qui dernier mot que me t'a dit, c'est que en fait, journée jodi a nous presque t'a qu'a dit que Haïti virait page, on page dans l'histoire. Nous gagnons page vierge là pratiquement. Conseil présidentiel transition en montée, faut que chaque grain citoyen songe pour yo rappeler même ça yo que c'est un conseil de transition que yo est. Non, conseil de transition que yo est, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Jean que tout à l'heure à député Tandieu te dit, nous tous devons être vigilants. Scruter toute décision que yo prend. Les nous pas d'accord avec yo, organiser nous faire yo connait que nous pas d'accord avec yo parce que il y a un travail qui est très important pour mener là, c'est d'abord rétablir la sécurité, ba nous situation de sécurité adéquate pour permettre que nous capable tourner la caille nous, que nous capable vaquer à occupation nous, mettre pays à sous rail développement et certainement réaliser élection. D'abord et avant tout. Après ça tout reste yo, yo capable mettre pays à sous rail pour aller vers l'autre grand chantier que yo identifié. Mais question sécurité, justice,